Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, deuxième tuto sur la reproduction. Aujourd'hui pour les animaux qui se reproduisent égal, donc de la même pour la même avec le même thème, pardon. Donc on voit qu'ils ont hâte de se reproduire. Donc voilà. Alors c'est le ils se reproduisent avec le blé, donc les vaches et les moutons. Et si un jour les moutons sont d'une couleur brune hautain, eh bien je ne serai pas là pour vous le dire puisque ça va être la fin du monde. Alors je dois vous le dire en partant pour ne pas faire des surprises, donc, que la fin du monde arrive et qu'il y ait des moutons d'une couleur brune, autant brun que ça. Alors on va commencer tout de suite parce qu'ils sont très impatients. Alors donnons-leur beaucoup d'amour. À chacun, bien sûr, et faisant des enfants. Alors, un petit moutonneau, bon, c'est magnifique. Donc, j'ai choisi, en fait, j'ai spawné deux moutons, et ils étaient de différentes couleurs. Alors, j'aime mieux ça que faire des moutons de même couleur, parce que ça fait des consanguins, ça fait des espèces de mutations de moutons, c'est tout dégueulasse. Alors, après, on va le faire pour les vaches. J'espère que ça va donner une vache normale et non une vache rouge ou bien bleu marine. Alors, on y va tout de suite. Donc, beaucoup d'amour à chacun. Et puis, voilà, ça s'est fait à travers la clôture. C'est magnifique. On a le troupeau qui me suit encore. C'est magnifique. Alors, voilà. C'est ce qui termine ce petit tuto très 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 court je trouve et ben voilà donc je travaille encore sur mon intro de Minecraft que j'ajouterai à mes prochaines vidéos mes prochaines vidéos futures n'est-ce pas nécessairement la prochaine mais bientôt disons-le alors je vous dis en attendant je vous dis à la prochaine tout en vous laissant sur des images de moutons qui a l'air perdu.